Eh, Achi, un dès qu'il touche avec sa bave, tu vas perdre tes ambitions. Non, Achi, ça c'est une incompréhension que beaucoup de francophones ont. C'est pas parce qu'un chien va te toucher avec sa bave ou avec ses poils que tu vas perdre tes ambitions. Ça fait pas partie des annulatifs, les ablutions. En revanche, chez les Shafi'ites, chez les Hanafites et chez les Hanabila, dans ces trois écoles-là, si le chien il te touche avec une partie humide de son corps, c'est-à-dire sa bave ou son urine, ou par exemple sur ses poils, il y a des traces de sa bave, s'il te touche avec cette partie-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas refaire tes ablutions, tu dois nettoyer la partie avec laquelle il t'a touché. Ouais, tu dois te nettoyer cette fois. Non, pas cette fois. Cette fois, c'est que si par exemple, il boit dans un récipient, tu jettes cette eau-là et tu la nettoies sept fois avec de l'eau et la huitième fois, tu peux la nettoyer avec de la terre ou une autre substance, par exemple du savon, d'accord? D'accord. Et chez les Malikites, eux, pour eux, ils considèrent le chien pur, d'accord? Que ce soit ses parties humides ou ses parties secs, dans le chien, pour eux, tout est pur, d'accord? Donc sa bave, elle est pure. Et s'il te touche avec sa bave, ben, tu n'as pas à nettoyer ton faube, d'accord? D'accord. Tu n'as pas à le nettoyer. Et subhanallah, moi j'avais un ami, une fois je lui ai dit pourquoi t'es pas venu prier Jumu'ah, c'est ce qu'il m'a dit. Non. Il m'a dit il y a un chien, il m'a touché, ça m'a fait perdre mes ablutions. Il a pas fait le Jumu'ah. Donc tu vois le jahl, l'ignorance. D'accord. Donc voilà, s'il te touche, t'as pas besoin de refaire les ablutions. T'as pas besoin de faire les ablutions. Okay. En revanche, tu peux voilà, nettoyer cette partie-là, comme je t'ai expliqué. Ça c'est l'avis majoritaire des savants, des trois écoles. Et chez les Malikites, pour eux, tu n'as pas à nettoyer cette partie-là. Voilà. D'accord. Barakallahu fik. Barakallahu fik.